on se retrouve encore pour un petit haul action. J'ai trouvé des nouveaux DP, des nouveaux Lemon Painting. Comment vous dire que je suis trop contente, j'ai loupé la dernière session de Diamond Painting, là je les ai trouvés, donc il m'en manque un, mais c'est pas celui qui me plaît le plus, donc c'est pas trop méchant. Donc je vais vous les montrer tout à l'heure, mais avant je vais juste vous montrer une petite aparté qui n'est pas de chez Action, mais je suis passée à Intermarché pour aller faire les courses, et il y avait des boxes de coloriage, donc pour celles qui font du coloriage. Voilà, donc il y avait des petits box avec différents colos de livres de coloriage, et il y avait une offre donc de acheter, et vous aviez un troisième offert, donc le troisième offert c'était celui-ci, donc je me suis laissée tenter, donc j'ai pris le mini bloc C'est le printemps, donc il y en avait plusieurs, j'ai vraiment pris ceux qui me plaisaient. Donc là, on a 60 coloriages, ce sont de la collection, enfin de chez Hachette Heroes. Et donc, ouais, 60 coloriages. Ils sont plutôt sympathiques, ces petits colos. Donc, c'est pour ça que je me suis... je me suis laissé tenter. Donc là, nous avons la fée clochette, qui est super belle. Nous avons Bambi. Donc là, nous en avons plein. Nous en avons 60. Donc, comment vous dire que, voilà, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi m'occuper. Ils sont, voilà, ils sont super jolis. Donc, voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Si vous voulez que je vous montre plus en détail, n'hésitez pas à me le dire si vous ne les connaissez pas. Et j'ai aussi pris celui-ci, donc pareil, donc c'est de chez Hachette Heroes, c'est du Disney. Ce sont les mandalas, les grands carrés. Donc celui-là, je l'ai trouvé assez sympathique aussi. Donc là, on a 45 coloriages. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a, ben voilà, ce qu'ils appellent donc des mandalas. Donc celui-ci aussi me plaisait pas mal. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, hein, celui-ci. Voilà, c'est celui de la couverture. Il est très très joli. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas recto verso, donc on peut y aller avec feutre à alcool ou ce que l'on veut. Mais celui-ci me plaît aussi beaucoup. Celui-ci, j'aime beaucoup celui-là. Donc ça, c'est pareil. Je vais m'amuser à faire ces petits coloriages. La petite sirène est super jolie. Belle le clochard. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, en cadeau, eh bien, il y avait celui-ci. Donc c'est 60 coloriages de chez Art Thérapie. Donc Hachette Loisir. Donc là, c'est plein de petits coloriages. Donc ça, pour pareil, ça me plaît aussi pas mal. Les illustrations, je les trouve très jolies aussi. Qui n'est pas du Disney, donc ça va changer un peu. Celui-ci, oui, il est très très joli. Voilà, celle-ci aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des visages et des femmes dessus. Donc voilà, donc je me suis laissé tenter. Donc si jamais vous avez un Intermarché à côté de chez vous et que vous voulez faire que vous faites du coloriage, eh bien allez-y. Allez, on passe au petit haul action. Donc là, je suis vraiment allée pour trouver les Diamond Painting. J'ai vu tourner ça sur Facebook, qu'il y avait des nouveaux DP. Donc je me suis dit, bah, alors là, je vais. Et puis, je vais essayer de les trouver. Donc, alors avant de les trouver, j'ai pris ça. J'en ai pris que deux. Ouais. Donc ce sont des petites décorations de Pâques. Donc je me suis dit, allez, on y va. Donc là, j'ai pris... Alors, il y avait plusieurs sortes. Il y avait des poules aussi, mais les poules ne me plaisaient pas plus que ça. Donc, du coup, j'ai pris les petits lapins, bah, les deux sortes de lapins, en fait. Donc, on a différentes couleurs. On a du rose, du jaune, du vert et du bleu. Et ce sont des petites suspensions. Vous en avez deux à chaque fois. Donc, ça vous en fait 8. Ces petites suspensions, elles étaient à 1,77€. Donc, pour ça, j'ai pris ça aussi. On va arriver bientôt différentes choses à faire pour Pâques. J'ai trouvé aussi ce petit bloc. Je vais poser ça parfait. Ce petit bloc. Donc là, il en restait qu'un seul. Donc c'est tout à fait les couleurs que je recherchais. C'est dommage qu'ils ne font pas ça en plus grand. Justement pour faire tout ce qui est Pâques. Donc ce sont des petits modèles. Hein. Ça fait combien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est marqué la dimension dessus? Non. Une règle.
Je voyais ça plus grand, parce que j'avais dû voir ça dans une des vidéos, je ne sais plus quelle vidéo. Ça fait à peine 15 sur 10 et demi, à peine même 10 et demi, parce que, oui, c'est ça. Donc, ce sont plein de petites couleurs pastel. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir grand-chose avec la lumière artificielle, c'est pas évident. Mais ce ne sont que des couleurs pastel. Et moi, ce qui me plaisait bien, bah, c'est que ça fait penser un peu aux couleurs de Pâques. Voilà, ça, ce genre de choses. Donc c'est bon, on peut faire des cartes avec, mais moi ce sera pour faire en déco sur des paniers de Pâques. Je pense que je vais utiliser celui-ci pour faire ma petite déco. C'est pas mal. Donc c'était le seul qui restait. Donc je pense que ça, ce sont c'est de la nouveauté, hein. C'était à combien celui-là? C'est pas 1,80€. C'est 99 centimes. 99 centimes. Ensuite, j'ai pris ça. Parce que, surtout pour le craft, voilà. Ça, tout le craft, je les ai utilisés. Par contre, les autres, il m'en reste. Mais ouais, c'est surtout pour le craft. Donc, ça, c'était 1,99€. Mais ça, c'est pas une nouveauté. Ça fait longtemps qu'ils y sont. Donc, en diamant glinting, je vous montre ce que j'ai pris. Donc, là, ce sont des 30 par 40. Donc, on a celui-ci. On a celui-ci. Et je ne peux pas vous montrer l'image entière. Donc c'est un chat. Donc les diamants de painting sont à 4,29 €. Il y a a priori 4 diamants de painting, dont un panda. Le panda, il n'y était pas. Donc de toute manière, même si je le voulais, je ne l'aurais pas eu, puisqu'il n'était pas dans mon action. Mais je ne pense pas me le prendre. Puisqu'il ne m'intéresse pas forcément. Là, c'était vraiment les trois qui me plaisaient. Moi, j'aime bien quand les couleurs, elles sont un peu flashy. Donc là, nous avons un petit chat. Donc, ils disent que c'était avec des diamants néons, des diamants spéciaux et des diamants spéciaux aussi, je pense. Donc, on va regarder ça tout de suite pour voir exactement le rendu que ça peut avoir. Donc, comme je vous ai dit, moi j'avais loupé la dernière collection qu'ils avaient faite. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est pas comme si j'avais pas assez de diamants de painting. J'aimais beaucoup celui avec la trappe rêve. Tant pis. Donc, là, c'est pour ça, celui-là, je me suis dit, allez, on va se laisser tenter par cela. Donc. Ça, c'est avec la fleur. Alors, hop. Donc, nous avons donc une notice pour montrer comment s'utilise le diamond painting. Nous avons le toolkit de base et nous avons du coup les diamants et la toile. Donc, bah écoutez, au niveau des couleurs, on est pas mal, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. C'est très joli. Comme d'hab, hein, je trouve que c'est de la bonne qualité au niveau des toiles. Les symboles, on les voit super bien. Je vais juste ouvrir le petit sachet pour voir ce que l'on a comme diamant à l'intérieur. Alors, donc ce sont des diamants ronds. Donc ceux-là doivent s'illuminer dans la nuit, je pense. Ça doit être peut-être cela. Skyny. Je regarde en même temps. Trace. Donc voilà, donc là, ce sont plein de diamants. Tout en couleur. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, 30 par 40. Il n'y a plus qu'à. Celui-ci est très très joli. Donc, voilà pour le premier que j'ai trouvé. Hop. Ensuite. On a celui-ci donc avec le chat. Alors, toujours 30 par 40.
avec des néons, mais ceux-là, je sais pas. Peut-être que c'est ceux-là qui s'illuminent, je sais pas. Alors, celui-là, oui, très, 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 très en couleur, celui-ci. Alors, donc toujours la notice, mais ça, je ne les garde pas. Celui-ci est très, 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 très beau, celui-ci. La coupelle. Ouais, alors là, voilà, celui-ci, il est super beau. Vous voyez pas grand-chose avec le reflet de la lumière, mais j'ai pas le choix. Il est tard le soir, mais il est vraiment très, très, très beau. Ah ouais, il est super joli, celui-ci. Donc là, nous avons tous les diamants. Donc là, nous avons ici, voilà, ce sont des diamants un peu spéciaux quand même, qui brillent. Donc là, ouais, là, il y a énormément de couleurs. Je ne sais pas combien exactement on en a. Bah, du coup, c'est peut-être marqué sur la notice. Hein. Alors, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 couleurs. C'est pas mal. Et pour la fleur, nous en avons, je pense, 27. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Donc 27 couleurs pour les fleurs et là 28 couleurs. Donc voilà, il y a de quoi faire. Mais celui-ci est très très joli. Je pense qu'il devrait bien rendre celui-ci. Moi, je ne suis pas fan des diamond painting avec des animaux dessus, mais j'avoue que celui-ci, il est vraiment très très joli avec toutes ses couleurs. J'aime beaucoup. Et nous passons au petit dernier que j'ai trouvé. Donc, c'est en mandala. J'en ai déjà un d'une collection d'avant de Action que je n'ai toujours pas fait. Qu'il va falloir que j'y mette et que je pense que d'ailleurs ça va être mon prochain diamond painting. Ah oui, celui-ci est vraiment très joli. Donc, au fond de la boîte, nous avons. Oh là! Heureusement que j'ai regardé. Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien. Alors, au fond de la boîte, nous avons tous les diamants qui sont donc diamants spéciaux. Alors, nous avons des petites demi-lunes en couleur argent, en couleur bleue, des toutes petites couleurs argent, des rouges. Enfin, là, c'est des diamants rouges, bleus et oranges. Donc là, ce sont des diamants spéciaux. Hop, ouais, celui-ci est très joli aussi. Ah ouais. Ah, nous en avons encore là des diamants. Alors, bon, tout le kit hein, toujours, la notice toujours. Alors pourquoi j'ai d'autres diamants? Là, je vais regarder ça. Alors, ah oui, il y en a beaucoup. Alors, attendez, parce que là, du coup, ah oui, il y en a beaucoup, là. Non, c'est, si, c'est les mêmes. C4. B4. Alors, j'ai une autre ramette en plus, donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Parce que là, il y en a quand même pas mal, hein, des diamants. Ah ouais. Alors, je ne sais pas. Ça m'intrigue. Du coup, je vais peut-être commencer par celui-là, du coup. Ah, on a beaucoup, beaucoup d'oranges. Hein. Il y a beaucoup d'oranges. Il y a deux sachets, du vert. Ouais, il y a deux verts différents. Ça m'intrigue. Je vais peut-être commencer par celui-là, du coup. Pour voir pourquoi j'ai des j'ai ceux-là en plus. Alors, dites-moi si vous les avez trouvés, vous, ces diamants diamond painting. Si vous aviez ça en plus. Du coup, je vais peut-être ouvrir cela avant, les grands sachets. Je vais faire le diamond painting et si jamais, peut-être que c'est peut-être une erreur ou le surplus, je sais pas. Mais bon. Voilà pour les diamond painting. Donc, comme je vous ai dit, il y en avait un autre, un avec le panda, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas pris, forcément. Mais voilà, donc si vous allez à Action, ce sont les
un nouveau diamond painting. Voilà, j'ai plus qu'à m'occuper. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.